Horizon Médiation est une association de médiation familiale qui a été créée en 2013. On est installé à Saint-Paul depuis 2014. Donc on couvre tout le secteur ouest qui part du port, la Possession, Saint-Paul, les Hauts de Saint-Paul et jusqu'à Saint-Denis, le Grand Ouest. Quelles sont les missions de votre association ? Comme toutes les associations de médiation familiale, nous recevons effectivement les couples qui désirent se séparer, les couples qui désirent divorcer, les couples qui veulent réfléchir, et plus largement toute la sphère familiale, les adolescents qui ont des soucis avec leurs parents, les grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, les fratries suite à des successions, des fratries sur des indivisions, voilà à peu près bon, donc toute la grande sphère familiale. Quels sont les conflits que vous êtes amené à gérer le plus souvent aujourd'hui? Les conflits familiaux, c'est-à-dire souvent les séparations, les conflits familiaux qui font que nous recevons les parents qui ont compris l'intérêt de la médiation, c'est-à-dire continuer leur rôle parental au-delà de la séparation et dans l'intérêt, et uniquement dans l'intérêt des enfants, c'est-à-dire permettre aux enfants de grandir dans des couples séparés et garder contact avec les deux parents. Aujourd'hui, quand les gens viennent vous voir, quelles sont les questions généralement et qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Alors, ce que les gens viennent demander, c'est comment arriver à se séparer au mieux, d'accord? Et c'est là le principe de la médiation, c'est-à-dire qu'on va les accompagner quand finalement la séparation est toujours douloureuse. Donc, on va leur parler de tout ce qui existe, de tous les moyens qu'ils ont pour se séparer avec le plus, entre guillemets, d'harmonie possible, de manière à conserver pour l'enfant l'image de l'autre dans un côté positif et pas simplement à charge en disant « oui, papa a fait ci ou maman a fait ça ». C'est-à-dire conserver une image parentale intacte pour que l'enfant grandisse parfaitement.